bienvenue dans le pays où tout est vraiment super grand. On a fait des courses de tam, vraiment des courses de malade qu'on a fait. Regardez-moi ça. C'est un truc incroyable. Regardez-moi ça, j'ai jamais vu ça. Sérieux, hein? Des courses de malade. Regardez. Les pots sont énormes. Et voilà, on est aussi à Costco, donc tout est gros forcément. Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est énorme. Ok. C'est incroyable. Regardez-moi les courses chez Costco. Et encore, c'est pas tout. C'est vraiment pas tout. Regardez-moi ça, les filles. Je reviendrai dans la semaine pour d'autres trucs dans le compartiment surgelé et frais. Mais pour le moment, ça ira. Je pense qu'on va pas mourir de faim. Mais maman, tu vas te mettre là. Oui, faites-moi une place. Ok. 235. Non, on l'a ramené comme ça. And 219 is the bedding. Hmm? Okay. Yeah, 69. Okay. And 232. 69 chair and 232. Carpet. Okay. Là, il est bientôt 18h. Je suis vraiment claquée. On a eu une journée. Waouh, un non-stop, je suis debout depuis 6h du matin et je suis vraiment debout quoi. Je me suis pas du tout assise, je me suis assise pendant 10 minutes pour manger et après je me suis relevée et là je suis vraiment KO, mais ça avance très très bien, alhamdoulilah. Donc là les movers, ils ont ça idrka lemmougal hatou gaal qach taana. Ils ont mis chaque chose à sa place. Donc voilà, un peu ce que j'ai fait, un peu de rangement. Voilà, le côté thé, le côté café. Il y a des choses, mais ça commence à ressembler à un home. Peut-être le halal, bon, le garage, je ne sais pas, catastrophe. Ils ont accepté de prendre des choses, beaucoup de choses dont on ne pouvait pas les mettre ici à la maison. Donc ils étaient contents de les prendre. Et ça, franchement, ça fait ça, c'est vraiment un grand soulagement. Donc là, ça, c'est la salle à manger, c'est le salon, mais on va changer la position de tout ici. Ça ne nous plaît pas forcément. Donc on va carrément tout changer, on va essayer de trouver une place pour cette toile, pour le miroir, pour... Donc là, on arrive à chercher le fouk, mais on a pris le gant là. Quand on a un chatini, on a le fouk, donc on a un lâche, même chauffe, parce que quand on chauffe, donc on a un tracha. Mais heureusement, ils ont monté les lits. Donc ça, c'est très très bien. C'est clair que ce soir, on ne pourra pas passer la nuit ici. Mais à partir de demain soir, Inch'Allah, on passera la nuit. Voilà. Donc, yes. Ça commence à prendre forme. Ça ressemble à home plus qu'autre chose. Bonjour.
صباح الخير عليكم. Deuxième jour d'emménagement. Donc aujourd'hui il est presque 10h. On s'est réveillé vers 7h du matin. On a déjeuné à l'hôtel. Rapidement, vite fait, bien fait. Et je débarque à la maison avec les filles. Donc mon mari, on est vendredi. Jumu'a Mubaraka, Inch'Allah. Mon mari est parti travailler. Parce que déjà hier, il a raté une journée. Donc il a beaucoup de training. Donc aujourd'hui, c'est moi qui s'occupe presque de ce qu'il faut faire à la maison. Et ana moussoussa, ce qui fait que je peux pas l'attendre. Moussoussa, il est en dire home. Donc du coup, ici, aujourd'hui, j'en ai fait 10 cartons. J'ai vidé 10 les cartons. Là, je vais mettre les lignes dans la bonne position. Donc les têtes comme ça. Au milieu, je vais mettre une table de nuit. Comme vous pouvez voir, le bazar. Bon, les draps, les garçons, les lavages, les cartons. Sinon, ici, le placard à les filles. Donc, j'ai accroché quelques vêtements. J'ai pas encore trouvé l'autre carton où il manque les. Mais elle trace les vêtements Tanour. En haut, je vais mettre tout ce qui est draps et tout ça. En bas, ça, c'est les vêtements d'hiver. Donc, il faut que j'achète un rangement, une sorte de commode ou quelque chose comme ça à mettre ici. Ou des étagères ou un truc comme ça pour ranger tous leurs vêtements. Et Céline a aounetni, mashallah, dans le placard ici, dans le couloir, elle a rangé toutes les chaussures. Je vais essayer de sortir pour vous montrer. Voilà, les chaussures de sa sœur. Moi, j'ai pas encore trouvé tous les cartons, mais voilà. Ça, c'est tous les cartons que j'ai fait aujourd'hui, emboîtés. Donc ici, elle a rangé les chaussures de sa sœur. Elle a fait été ici pour sa sœur et été ici pour elle. Elle va les mettre. Là, on a mis hiver Tanour et on va mettre hiver Tassirine. Donc voilà, on s'est dit on va séparer, on va mettre les chaussures pas dans le même placard dans la chambre puisqu'on a un placard dans le couloir. Là, on a dit la chambre parce que qui a dit que merci Nour, shukran jazilan. Nour, je vous ai dit que je n'ai pas. Elle est pire que moi, Moussoussa, j'ai besoin de soi-là, j'ai besoin de là, tranquille. Alors que voilà, j'ai rien rangé dans la chambre d'activité, j'ai rien fait. C'est vraiment la course, c'est pas évident. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre les fibres home, bien comme il faut. Et après, j'attaque en bas la cuisine, le ftor, je vais mettre des spaghettis, t'as vite fait. Je vais mettre parce que je vais mettre des spaghettis, ftor ou un mazel. Mais les lits, il faut que je les... Parce que c'est des lits ajustables de chez Ikea. Donc, c'est un peu plus grand. Je vais dire la taille normale. Parce qu'on peut les ajuster. Donc, c'est la taille plus grande. On peut dire moyen. On peut dire plus grand. Ici, ils ont abîmé le lit sur le côté. Mais voilà, comme il y a une assurance, donc c'est pas grave. On va envoyer la photo et bien évidemment, on va se faire rembourser. Donc, voilà, au remboursement, on verra ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on changera carrément les lits. Des filles, on va voir. Ils sont toujours en bon état, mais le fait qu'ils soient abîmés sur le côté, c'est un peu... Moi, ça me dérange. Mais bon. Ouh. Allez, je continue. Grosse livraison aujourd'hui de chez Amazon. Donc, on a passé la commande hier et c'est arrivé aujourd'hui. C'est super rapide, donc on va découvrir tout de suite ensemble ce que j'ai pris. Pour ma petite cuisine qui est juste là-bas, non, au fond. Donc voilà, j'essaie de ranger petit à petit. C'est encore le bazar chez moi, mais voilà, je fais de mon mieux. Surtout que je suis seule avec les enfants à la maison. I wanna call out pound town, but you bite my lip, don't make a sound. I'll be damned if I'm leaving without you. Donc là j'ai pris un nouveau deep fryer, la friteuse Terry Hadiker. Parce que c'est très bien et puis l'électricité qui m'a coûté comme machi kiff kiff
Donc j'ai pris Hadi, presque le même modèle, la marque Cuisinart. Et franchement, depuis que je suis là, j'essaie la marque Cuisinart. Je suis pas déçue, à part pour le grille-pain. Donc c'est pour ça que le grille-pain a pris un KitchenAid, parce que j'avais commandé Cuisinart où je suis cheap, mais je veux dire la qualité. Alors voilà, j'ai payé un peu plus cher, mais j'ai obtenu un KitchenAid. Apparemment, Adel KitchenAid, c'est le seul sur le marché qui fait, qui grille le pain d'une manière homogène. Mais qu'est-ce que j'ai à voir ou j'ai à Kahla et tout. Ou là, j'ai à Mohamma. Donc, on va le tester, on va voir. J'ai pris la friteuse. Je m'ai acheté l'air fryer, c'est un honey, voilà qui est un manichigar, mais très chigar, c'est l'air fryer. Un esbali, ouah, qui brille, ouah, j'aime qu'il il assume. يقليها بالزيت وياكلها وصاي المهم الواحد ما يكترش اون فوا بار سيمين قال لي سافا دون تو لي كا موا جي توجور اوتيليزي لا فريتوز جو سوي تري ساتيسفايت جي ايسايي لو اير فراير كون جيتي على الاوتيل وما عجبنيش بزاف جي فيو دي ريفيوز في يوتيوب كون فو فيت ان بولي باني ماشي كاع لو ميم ريزولتا دونك جمعت الاير فراير سامحوني ولكن ما دخلش كاع راسي كيما هو كيما كيسمو هذاك الحياه اللي مش عارف كيسمو هذاك الحياه اللي يطيب كل شيء يعبر ويطيب هذاك ثاني كاع ما دخلش راسي يا طيب انا يا طيب هو المهم البنات فوالا جي بري اوسي اون فريتوز دونك نزيد نحل اونكور لي كارتون نوريكم واش ديت او هذه العروسه اللي كنت نستنى فيها هذه هي عروستنا الجديده باركولي البنات درت كنا فوالا امبوسيبل بور موا في هاد البلاد نقعد بلا خبز شباب باسكو ما عندهمش كاع خبز حاجه مليحه غير العيا ولا خبزه وحده ما كانش دونك انا انفستي دون اون ماشين ا بان جي دي سا جي دي با بلوس هذا ما نقول كي نجربها نخرج الخبز تاعي اللي نبغيه نوريكم الريزولتا البنات ونوريكم كيفاش نستعملها ولي ديتاي اي تو سكيفو فوالا سكي سور سي كو جي بري اون كي اي كلاسي parmi les premiers sur le marché c'est une marque japonaise ça s'appelle Zojiruchi et c'est la Virtuoso plus c'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant je la teste et après je vous donne tous les détails je vous le promets Let's meet down at the lonely lane. Before summer has gone away. Ah, c'est pour décorer. Il y a le drapeau du Canada. Swim out under a broken sky. Colored with shades of white. Wave goodbye to last summer. Cold air coming away soon. Les filles, vous êtes prêtes? C'est beau aujourd'hui, hein? Happy 4th of July! Tell me something about yourself. You've never told to no one else. Summer.